Je pense que c'est un manque un peu de vision et en tout cas de respect pour le travail qui est accompli. Elle rayonne, la Villa Médicis, et aujourd'hui on en parle au milieu comme d'une tempête. C'est un phare de la culture française à l'étranger. On a augmenté le nombre de pensionnaires en résidence, il y a 30% de plus de fréquentation du public. Un manque de vision de la part du ministère de la Culture à Paris ? Aujourd'hui, on me dit qu'un comité va se constituer pour réfléchir au bien fondé de cette institution, oui. Pour réfléchir à son évolution, ce que je regrette de tout mon cœur. Éventuellement pour la réformer, vous pensez que la Villa Médicis n'a pas besoin de réforme ? On a toujours besoin, surtout sur ces grands navires, de s'adapter, mm-hmm. de se réinventer régulièrement, c'est légitime, mais dans la continuité. Mm-hmm. Pourquoi tellement de brutalité ? Il ne faut pas déconstruire avant d'avoir déjà le projet clair.